Révélé au grand public dans Secret Story en 2010 avec ses mémorables prises de bec avec Senna et ses mythiques Sava, Amélie Nathan a réalisé le rêve de sa vie un an après sa sortie de la Maison des Secrets, devenir maman d'un beau petit garçon aux cheveux blancs prénommé Hugo. Mais depuis plus de 10 ans, l'ancienne candidate de télé-réalité garde le mystère sur l'identité du papa de son fils. Si elle a longtemps refusé de répondre aux interrogations le concernant, elle a pourtant accepté de dévoiler quelques détails de leur relation amoureuse désormais terminée et des circonstances de sa grossesse dans son livre « Pourquoi tant de haine ?» publié le 23 mars 2017. Nous étions jeunes, nous flirtions, nous nous amusions. D'oiseau de passage, il est devenu ma cigogne, raconte-t-elle à propos du père de son enfant. Amie de longue date, elle confie avoir commencé à le fréquenter à son retour de Los Angeles. Lui, n'était pas prêt à assumer cette paternité. Je lui ai expliqué que je désirais ce bébé et, même s'il ne le souhaitait pas, il a été très correct avec moi, expliquait-elle. Si je ne cite ni le prénom ni le nom de cet homme, si est pour préserver sa vie privée, il n'appartient pas à la télé-réalité ou au monde de la télé. Si est quelqu'un de discret et je ne veux pas l'exposer, révélait la jolie blonde avant d'avouer qu'elle ne se serait jamais doutée que cet homme deviendrait quelqu'un d'aussi important dans sa vie. Hugo et lui se connaissent et se voient. Mon fils ne l'a pas rejeté, il sait que si est son papa et il a toujours une place dans sa vie, précisait-elle.